أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes. À tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Langue et grammaire, première année cycle collégial. Le passé composé. Le passé composé, c'est le titre de notre leçon aujourd'hui. Bien l'objectif ou bien les objectifs, il y en a deux, les objectifs. Reconnaître la formation du passé composé. Donc, l'objectif, c'est de faire reconnaître aux élèves la formation du passé composé. Ça veut dire le passé composé, de quoi il est formé, de quoi se compose-t-il. Deuxièmement, employer correctement le passé composé dans la phrase ou bien dans le texte. Employer correctement, ça veut dire il faut employer correctement le passé composé dans, dans les phrases. Alors bon, voilà le texte. Hier soir, deux hommes masqués ont cambriolé un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble dans le quartier Marif à Casablanca. Quand on dit hier, on a commencé par un marqueur temporel qui exprime le passé. Donc les verbes qui viennent après doivent être au passé. Alors ici, on va parler du passé composé. Ça veut dire que le texte a commencé par hier. Donc on va employer tous les verbes après au passé composé. Ils sont entrés dans l'appartement par le balcon. Bon, je répète cette partie et je termine dans l'autre tableau. Hier, c'est un marqueur temporel qui exprime le passé. Alors, hier soir, c'était le soir, nos deux hommes, deux hommes masqués, ça veut dire qu'ils ont mis un masque sur le visage pour ne pas être connus, ont cambriolé, ça veut dire ont volé. Un appartement, ça veut dire ils sont rentrés dans un appartement pour voler tout ce qu'il y a dans l'appartement, bien pour voler la somme d'argent. Donc on cambriolé un appartement, un choka, sarako, un choka, situé au quatrième étage, sur Jado, fit tabak rabi, dial wahed l'imara. Dans le quartier de l'Imara, le Moujouda fait Hay Ma'arif Darbida. Il y a une Imara, le Hay Ma'arif Darbida, qui a Tabakas. Tabaka Rabia Tamma, qui a Sariqat Wahed Shoka, min taraf Shaksayn Moulet Tamin. Moula Tamin, pour ne pas être connu. Je termine l'explication. Alors, on a dit que les hommes, ou bien les deux hommes, sont entrés dans l'appartement. Et maintenant, chassin, d'achala, ou d'achalou, il a le choka, un tariq, le balcon, chorfa. En se servant d'une corde, ça veut dire, ils sont arrivés au quatrième étage dans l'appartement en employant une corde. Ils ont pris une grosse somme. Ils ont pris beaucoup d'argent dans l'appartement, puis ils sont sortis par la porte. La première fois, ils sont entrés dans au quatrième étage par le balcon en se servant d'une corde, mais après avoir pris la somme d'argent, ils sont sortis par la porte. Le concierge, ça veut dire le gardien de l'immeuble, n'a rien remarqué. N'a pas vu les deux voleurs ou bien les deux coupables.
Elle ne les a pas vus, elle est endormie, ou bien il a quitté la place. De toute façon, il n'a rien vu. Donc, ça veut dire que les voleurs ont volé et ils ne sont pas attrapés. Bon, voilà. Maintenant, on va passer à la recherche des verbes dans le texte. Donc, les verbes du texte sont, alors, en cambriolé, sont entrés, ont pris, sont sortis, aroma. Voilà les verbes qui sont conjugués dans le texte que nous avons vu et que nous avons expliqué. Bien. Alors, premièrement, quelle est la nature de ces mots-là? Les mots qui sont écrits en rouge, quelle est leur nature? Ce sont des noms, ce sont des verbes, ce sont des adverbes, ce sont des adjectifs. Donc, ce sont des verbes. Ce sont des verbes, af'al. De combien de parties sont-ils composées? Ça veut dire les verbes que nous venons de voir, hein, sont entrés, sont sortis, a remarqué, ont pris, ont cambriolé. Ils sont composés de combien de parties? Alors regardez, voilà la première partie, voilà la deuxième partie. Voilà la première partie, voilà la deuxième partie. Voilà la deuxième partie, voilà. Donc on peut dire que ces verbes-là, hein, ils sont composés de deux parties. L'auxiliaire être plus le participe passé. L'auxiliaire être plus le participe passé. L'auxiliaire être plus le participe passé. L'auxiliaire avoir plus le participe passé. L'auxiliaire avoir plus le participe passé. Donc, elles sont composées de deux parties, comme j'ai déjà expliqué. Bien. Alors, à quel temps sont-ils conjugués ces verbes-là? Alors, les verbes que nous venons d'expliquer sont entrés, sont sortis, à remarquer, ils sont conjugués à quel temps? Le présent, passé composé, futur, l'imparfait. Donc, ils sont conjugués au passé composé. Le passé composé. Al-madi al-murakkab min fi'lin. L'auxiliaire avoir au présent. Ou bien l'auxiliaire être au présent plus le participe passé, il s'insinue au ism fa'il. Compréhension. Maintenant, entrons le fait bien clair. Quel est le genre de ce texte-là? Le texte que nous venons de lire, quel est son genre narratif, descriptif, injonctif? Donc ici, il s'agit d'un compte rendu. C'est un compte rendu, on peut le trouver dans un journal, on peut le trouver. On peut l'écouter à la télé, hein? De toute façon, c'est un compte rendu. Ça veut dire, Donc, c'est un compte rendu. Quels sont les personnages du texte? Dans le texte que nous venons de lire, les personnages qui ont volé, qui ont cambriolé l'appartement au quatrième étage, ce sont deux personnes. Deux personnes. Deux hommes masqués. Ce sont deux hommes masqués, ça veut dire qu'ils ont mis un masque sur le visage pour ne pas être connus par les habitants de l'immeuble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ces hommes-là, qui sont entrés dans la l'appartement par la corde, hein, jusqu'à quatrième étage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cambriolé, ils ont volé, ce sont des coupables, ce sont des voleurs. Ils ont cambriolé un appartement. Saraqou wa hajamou ala shukka fil imara fil tabak rabi. Donc ils ont cambriolé un appartement situé au quatrième étage dans un immeuble. Où se passe l'action? L'action, elle se passe où? Alors, au quartier Ma'arif à Casablanca. Ça veut dire le vol, les coupables, les voleurs ont cambriolé l'appartement au quatrième étage ou au quartier Ma'arif à Casablanca. Il y a maintenant l'hib, dit Ma'arif, le dit aujourd'hui le dag al Bayda. Voilà la compréhension de. Je termine l'explication. Bien, je termine l'explication. À quel temps ou bien à quel moment, hein,
nous avons dit où se passe l'action. J'ai dit l'action se passe au quartier Ma'arif à Casablanca. Donc, Sariqa, Tsemmat, Fi, Hay, Ma'arif, Dalbida. Mais à quel moment, à quel moment, il s'est passé hier. Soir. Tsemmat, Sariqa, Al-Bariha, hier, Mata, Masa'al, hier soir. À quel temps sont conjugués les verbes? On a dit que qu'ils sont conjugués au passé composé. Comment s'appellent les verbes aidant à la conjugaison de ces verbes? Nous avons vu tout à l'heure que les verbes sont composés de deux parties, un auxiliaire avoir au présent, plus, ou bien un auxiliaire être au présent, plus le participe. Mais on a fait le con, le verbe être, on a fait le mulk, le verbe avoir, zaïd, le participe passé, ismul fi. Ils sont composés de deux parties, mais quel est l'auxiliaire, l'élément aidant? Je connais le mot, le moussaïd, avec le fil, je dis que le passé composé. Si l'auxiliaire est, si l'auxiliaire avoir. C'est pourquoi on a dit l'auxiliaire. Quand on emploie le passé composé, on dit l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Mais quand on conjugue le verbe seul, on dit le verbe être et le verbe avoir. Donc, l'aidant, l'élément aidant, c'est l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Quand on dit l'auxiliaire avoir, ça veut dire j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. Au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont au présent. Plus le participe passé et simple. Donc, et dans la conjugaison, des verbes, ce sont l'auxiliaire être ou avoir. On a déjà ici. Je classe les verbes dans le tableau. Alors, les verbes que nous avons vus dans le texte qu'on a extrait. Maintenant, je vais les classer dans le tableau. Les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être et les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Le verbe être ou le verbe le verbe avoir alors nous avons 100 entrées. 100 entrées. Voilà deux parties, deux éléments. 100 sortie, donc ici on a employé le participe passé du verbe entrer et du verbe sortir avec l'auxiliaire être. Et nous avons ici en cambriolé, en pris, en a remarqué, ça veut dire on a employé remarquer, cambriolé, pris, prendre avec l'auxiliaire avoir. Donc il y a une différence. Ces verbes-là ils sont employés avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, et ces verbes-là ils sont conjugués avec l'auxiliaire être. Ça veut dire que ces verbes-là qui sont employés avec l'auxiliaire avoir, ils ont besoin d'un complément. À chaque fois qu'il y a un verbe avoir, un auxiliaire avoir, il faut un complément. Le verbe avoir, dès que j'ai il a un fi'ul, ism al fi'ul. Il a j'ai mangé quoi? La pomme. Mais quand on emploie le verbe être, il n'y a pas de complément. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui supporte l'action. Les élèves sont tombés. Qui est-ce qui est tombé? Ce sont les élèves. Bon, voilà. Bien, je termine l'explication. Dans quel cas le participe passé s'accorde avec le sujet? Fi ayy hala, ism al-fi'l, yatim mutabaqatuhu ma'a al-fi'l. Fouqash hadi ism al-fi'l titabaq ma'a al-fi'l. Indama nastamiluhu ma'a fi'l al-kawn. Il s'accorde quand il est employé avec l'auxiliaire être. Fi'l al-kawn. Je suis tué, etc. Il est temps, aller et tomber. Donc voilà, le sujet il est au masculin singulier. Voilà le participe passé de l'accent. Fatima, le féminin, est tombé. Voilà le participe passé. Et voilà la marque du féminin. Ça veut dire que le participe passé, employé avec l'auxiliaire, et s'accorde avec le sujet. Féminin, féminin, masculin, masculin. Pluriel, pluriel. Si on a employé Fatima et sa soeur, on va dire Fatima et sa soeur sont tombés. E accent, E, S. Bon voilà, maintenant on va passer à un bilan, ce qu'on appelle je retiens, je garde dans ma mémoire, là, le passé composé. Le passé composé est formé de deux éléments. Madil Murkabi Sakouanou Min Unsourin, l'auxiliaire être ou avoir au présent, fi'l, le compte, ou fi'l, le moule, ou fi'l, le modal. Hein? Plus le participe passé du verbe. Hein? Plus le participe passé du verbe. Et c'est une très bien fait. En
général, le participe passé du verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre. Ça veut dire masculin, masculin, féminin, féminin. Féminin, singulier, masculin, singulier, masculin, pluriel, féminin, pluriel. Ça porte en genre et en nombre. Quand on dit le genre, ça veut dire féminin ou masculin. Quand on dit le nombre, ça veut dire singulier ou bien pluriel. Avec le sujet de la phrase. Il est tombé, le féminin. Donc voilà la marque E. E du féminin. Elles sont tombées, on a ajouté S, la marque du pluriel. Féminin et pluriel. Bon, voilà quelques traces écrites. Hein? Phrase, passé composé, l'auxiliaire. Alors voilà les phrases. Deux hommes ont cambriolé un appartement. Nous sommes entrés tard la nuit. Donc voilà les phrases. Voilà le passé composé, ont cambriolé, sommes entrés. Et voilà les auxiliaires, avoir et être. Pour former le passé composé. Bien. Donc voilà un exercice, je m'entraîne, je complète les phrases suivantes avec les pronoms qui conviennent. Complète les phrases. Atmim al-jumal, l'atiya, bid-damair al-munasiba. Nous avons avait oublié, donc voilà le passé composé. Alors nous avons osé, donc on va mettre vous. Vous avez oublié le stylo sur le bureau. Voilà. Sans entrer, voilà le passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, sans, c'est le pluriel masculin. Donc, on va mettre masculin pluriel, S. Et rentrer, c'est la première personne. J'ai rentré Rachid, j'ai rencontré, pardon, j'ai rencontré Rachid au supermarché. Sommes allés, alors nous avons ici la première personne du pluriel féminin. Alors, on va mettre nous. Alors, nous, elle peut être féminin ou bien masculin. Nous sommes allés au cinéma dimanche dernier. Dimanche dernier. Sont partis. Alors, ici, nous avons la marque du masculin pluriel. Donc, le sujet doit être ils sont partis à la chasse la semaine dernière. Donc, voilà. La semaine dernière. Donc, nous avons parti I, c'est le participe passé. Nous avons S. C'est la marque du pluriel. Donc, ça veut dire que le sujet, il est au masculin et au pluriel. On descendu. Alors, avec le verbe avoir, le masculin et le féminin, c'est la même chose. Donc, on va mettre il au pluriel ou bien elle. C'est la même chose. Elles ont descendu ou bien elles ont descendu un gros meuble dehors. Grand R, je développe. Hein? Je développe. Je développe. Alors, conjugue au passé composé. Ça veut dire que les verbes, entre parenthèses, je vais les mettre au passé composé. Alors, nous avons la première personne, on va dire j'ai ouvert. Attention, le verbe ouvrir, on ne dit pas j'ai ouvert. J'ai ouvert, tu as ouvert, il a ouvert, nous avons ouvert, vous avez ouvert, ils ont ouvert. C'est ça le passé composé, le participatif du verbe ouvrir. Mon père vouloir, c'est le verbe vouloir, a voulu. A voulu. Mon père a voulu. Aussi faire sa toilette. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé. J'ai aidé moi, mon père. Je l'ai aidé. Attention, ici nous avons le pronom, il est placé avant, mais il désigne un homme. Donc voilà l'accent. Si c'était le féminin, si on parle, hein, si on parle d'une femme, on va mettre E accent E. On va mettre E accent E. Je l'ai aidé, ça veut dire j'ai aidé quoi? Ma mère. Bien. Alors, on a monté sur un tabouret pour atteindre le robinet. Mais il, glissé, il a glissé et a entraîné. Et a entraîné le lavabo dans sa chute. Donc voilà les verbes au passé composé. Est ouvert, j'ai voulu, j'ai aidé, j'ai glissé, j'ai entraîné, hein, j'ai entraîné, glissé et entraîné le lavabo dans sa chute. Bien.
Voilà la fin de notre leçon concernant le passé composé. Ça veut dire la formation du passé composé. Comment on forme le passé composé avec l'auxiliaire avoir ou bien avec l'auxiliaire être selon le verbe. Il y a des verbes qui s'emploient avec le verbe être, il y a des verbes qui s'emploient avec avec l'auxiliaire être, et il y a des verbes qui s'emploient en même temps avec l'auxiliaire avoir et avec l'auxiliaire être. Bonne chance, bonne réussite, et à la prochaine vidéo. Au revoir.